Salut à tous, c'est Undead, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur le jeu Heroes Hours. Donc on va partir pour le troisième épisode. On s'était fait décimer dans le deuxième épisode. On avait commencé avec les elfes, on s'était fait exploser. Là on est reparti avec les hommes et j'espère que cette fois-ci ça va être la bonne. On y retourne, on a des bâtiments à capturer, on a des unités à améliorer, on a des gens à tuer, enfin bref, on a pas mal de bonnes choses à voir ensemble. Alors le marché noir, on s'en fout un peu, la tour des griffons, elle nous génère des troupes à l'œil, ça c'est plutôt pas mal. La fonderie d'alchimie en vrai, elle a été capturée, c'est tout bon. Il faudrait qu'on prenne possession, on a vu que ça posait problème, mais il faudrait qu'on prenne possession assez rapidement des avant-postes, on a vu que c'était assez compliqué. Il y a une mine de cristal exploitable et personne s'en est soucié. On va essayer de la capturer tout de suite, hein. Bam, voilà. Alors vous pouvez dépenser 2000 d'or, 5 de bois et 5 de minerai pour construire une mine ici. Bah oui, pas de problème, ça se fait, ça nous fait un nouveau bâtiment à disposition. La scierie a déjà été... Ouais, on est bon, plutôt difficile. Ouais, je suis pas serein d'aller m'attaquer à une plutôt difficile dès le début. Mais bon, essayons de rentrer tranquillement. Est-ce que toi t'as des troupes? J'ai pas l'impression que... Ah si, t'as quand même quelques hommes. Hein. Tu vas essayer de lui filer. File-toi ton poteau là. On a besoin de troupes. Hein. File-toi ton poteau. Voilà. Et puis tu verras pour le reste. Hein. Fin de tour. Est-ce que par contre mon deuxième général peut essayer d'aller capturer ce... Faudrait passer par où? Par tout là-bas. Ah oui, non, ça va être énorme. Non, bah, laisse tomber. Laisse tomber. Par contre, là-bas, t'as de l'or à récupérer. J'ai bien que t'y ailles. Ouais, c'est ta possibilité. Bam, toi du coup. Ça donne quoi? Tu peux être en facile et capturer... Plutôt difficile, moyen, ouais, ok. Tu peux capturer le donjon et miner l'infanterie postée ici afin de vous empérer de ses ressources cachées. Il va capturer, se génère chaque semaine des albardiers. Ah, bien. Vas-y, on va capturer le donjon. On y va. On va capturer le donjon. Je pense que c'est hyper important d'avoir des bâtiments qui nous génèrent des troupes. C'est juste méga important, donc bon. On va essayer de se gérer quand même un peu comme on va pouvoir. Les griffons, je voudrais... Ouais, voilà, essayer de former un groupe tous les deux. Les spadassins, on va mettre devant les parents. Eh ben, go, on y va. Est-ce que tu pourras invoquer des élémentaires? Tu peux, mais t'as pas encore le mana pour. Allez, les gars, défoncez. Défoncez-moi ces murailles, il faut qu'on y arrive. Allez, les gars, tenez bon. Allez-y, tenez bon. Voilà, là, on y est, on va se les faire tranquillement. Bon, le combat est gagné, hein. Je peux rien lancer, hein. Comme attaque, je peux rien lancer, ça c'est quoi? Ouvrir les portes, oui, bah allez-y, hein. Let's go les gars, allez-y. Capturez-moi ce donjon, c'est juste hyper important. Voilà, là c'est bon, c'est gagné. Alors on a perdu, un paragon, on a perdu 5 albardiers, mais bon, on a perdu un peu d'hommes, mais c'est pas catastrophique. De toute façon, on peut recruter encore un petit peu. Et puis surtout, qu'est-ce qu'on a là? On a quoi? La logistique augmente de 5 la distance à laquelle on peut se déplacer par jour, c'est pas le top. Chaque rang augmente de 20% la croissance des bonheurs des unités dans toutes les villes, ça peut être pas mal. Faire ça comme ça, je récupère un peu des cristaux, un peu d'argent, des minerais, un campement. Je pense que là on est grave bien. Et du coup le donjon, ça se passe comment? On pourrait les attaquer eux, ça nous fera un peu plus d'XP. Est-ce que ça vaudrait le coup de perdre des hommes? Je suis pas sûr. Essayons plutôt d'attaquer la mine d'or. Attaquons la mine d'or, ouais, je pense que c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Oh, il y a des cristaux aussi là-bas à générer. Bon, on verra. Pour l'instant, hop, on passe au tour. Il faut qu'on essaie de se créer une armée digne de ce nom. Parce que là, on a vu hein, qu'avec les elfes, on n'a pas tenu longtemps. Donc, bon, s'ils pouvaient au moins nous... éviter de trop nous marcher dessus aujourd'hui, ça serait peut-être pas mal quand même. Hein. Alors là, oui, on a quoi? On a des blessés. Créer Maxi Bam, c'est parfait. On a maintenant des prêtres. Toi, t'es parti là-bas. Ouais, récupère-moi alors. Parfait. 100 or. C'est pas énorme, mais c'est toujours bon à prendre. Impossible, forcément, t'as pas de troupes. Bah, tu vas rentrer, écoute, tranquillement. Tu vas rentrer tranquillement, il n'y a pas de souci. Tu peux pas faire grand-chose, de toute manière. Et toi, essaie de capturer encore un nouveau bâtiment. Il faut vraiment qu'on essaye de gérer. Pour capturer le maximum de bâtiments, c'est méga important. Voilà, allez, baston. Oh, super, maintenant, il peut. On va invoquer un élémentaire. Ouais, trois élémentaires. Bon, bah, les gars, faites votre taf, hein. Ça nous fait des hommes en plus, des troupes en plus gratuites, donc c'est toujours bon à prendre. Allez-y. Oh non, non, ils vont se faire éclater. Reculez. Vous êtes déjà tous au fight. Ah, je vais perdre beaucoup d'hommes là pour le point. Et mon héros, où est mon héros? Mon héros est déjà mort, je crois. Je crois que mon héros est déjà décédé. Bon bah les gars, les archers, faites votre taf. Hein. Essayez de vous défendre comme vous pouvez. De toute façon, vous êtes tout seul. Hein. Allez les archers, tirez. Tirez tout ce que vous pouvez. Allez. On est en train de perdre le lead là. On est en train de perdre le lead. Ça a avancé très bien. Envoyez des renforts. On est en train de perdre le lead.
Ah, le héros de retour, le héros de retour. Il y va, il tape dedans. Allez, fais tomber mon pote. Voilà, le héros de retour, ça fait toute la différence. Là, ça y est. Ok, là, je pense que par contre, on a perdu beaucoup d'hommes. On va recruter au maximum, refaçonner des créatures, oui. Qu'est-ce qu'on a, Légion? Ouais, plus d'argent par jour, ça peut être pas mal, parce qu'on est un peu en galère. Géomancie, un sort de terre d'une puissance professionnelle. D'accord, chaque rang augmente également à des... Ouais, c'est pas... Ouais, assaut. Chaque rang donne 5% de vitesse d'attaque aux unités de corps à corps. Ça peut être pas mal, en vrai, hein. Ça peut être pas mal, hein. Bref, ça peut être pas mal. Écoute, on va plutôt partir là-dessus. Allez, sur la maîtrise, voilà. Là, ça me paraît bon. La mine d'or est capturée. De toute façon, on a besoin de fric, hein. Il n'y a pas photo, on a besoin d'argent vite, hein. Ok, c'est un peu la crise. Mais je pense que ça va se faire quand même. Ça va se faire quand même. Parce qu'on est... on commence à prendre de l'XP à mort. Ça devient intéressant, je pense, pour tout le monde. Ah, lui, il essaie de me poucrave mon or, lui. Il essaie de me poucrave mon or. Du coup, je vais te défoncer. Parce que je veux pas que tu me voles mon or. Ça fera d'XP en plus à l'œil. Voilà, et voilà. Go. Toi, tu attaques directement le héros. Attaque le héros direct. Oh là là, oh là là. Ça se passe pas comme j'avais pensé. Mon héros s'est déjà fait défoncer. Mon héros s'est déjà fait exploser. Ça se passe pas du tout comme j'avais cru que ça allait se passer. Mais bon, on gagne quand même, donc c'est plus important. Ah oui, c'est vrai, il y a des gardes du corps qui pop de temps en temps. Et bah, vas-y. Toi, tu peux pas. Bah, vas-y. Allez-y, attaquez là-bas, les gars. Essayez également de healer dès que vous pouvez. Ok, le héros, il y retourne. Vas-y, mon héros. Fonce. Fonce, 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 fonce. Pas de hâte, en vrai, on n'a pas besoin. Bon, ça nous fera un peu plus d'XP. On a perdu encore quelques hommes, mais c'est pas dramatique. On peut les engager. Je vais, ouais, hop, on va les refaçonner. Parfait. Ça me fait pas mal de monde. Oh là là. Et beaucoup de choses sur lui, le petit bonhomme là. Et bah, parfait. Par contre, tu vas vite rentrer à la base parce que là, t'as pris suffisamment cher, je pense, pour les 10 prochains jours. J'ai bien l'impression. Ça, c'est quoi là-bas? Je sais pas tout ce qu'il y a là-bas. On verra pour l'instant. Déjà, toi. Est-ce que tu peux recruter? D'ailleurs, on a oublié d'améliorer le bâtiment, bien sûr, on a oublié. L'outil de magie donne accès à 4 sorts. Un sort mineur, un sort majeur, un sort ultime et le sort ouragan. Ça peut être pas mal. Mais bon. Tour de griffon, ça peut être pas mal. Il y a tellement de choses. Allez, le palais, s'il nous faut de la thune, après je ferai la cathédrale. Hop, on va essayer de tout récupérer. Voilà. On a quand même des hommes qui sont pas dégueulasses, hein. On a un revenu quotidien qui est pas mauvais du tout. Est-ce que tu peux aller tout lui donner? Donne-lui tout ce que t'as. Voilà, parfait. Fais tout péter, toi tu retournes là-bas. Et toi, de ton côté, est-ce que tu pourrais faire là-bas pour te les faire? Mais je sais pas trop ce que c'est que ce bâtiment-là. Enfin, je sais pas si c'est un bâtiment de base. Là-bas, il y a des trucs à choper. Cahier de la sorcière. Passer par la cahier de la sorcière permet à un héros d'apprendre une compétence choisie par la sorcière. En vrai, ça peut être utile. Oh là là, en même temps, on a un morceau de stuff là-bas. Non, allez, un peu de stuff, parce que d'ailleurs, en parlant de stuff. Il a pas... Si, il a un peu de... Il a une armure pour la diplomatie. C'est pas le top, mais il est un petit peu équipé quand même, mais bon. Allez. Baston, on va passer le combat, parce qu'on sait qu'on a gagné d'avance. On refaçonne les créatures. Ça nous fait gagner d'XP, ça c'est cool. Chaque rang augmente de 1 la chance des créatures de votre armée. Chaque point de chance donne à vos créatures 4% de frapper dans le 1000 lorsqu'elles attaquent, ce qui triple leurs dégâts. Ça peut être pas mal. Et roman 6, c'est à chaque fin de combat, le héros peut transformer une partie des créatures de base en créatures d'élite. Ça peut être pas mal, hein. Ça peut être vraiment cool, hein. Est-ce qu'on est en galère de thunes, c'est la question. Ouais, ça va réduire le coût des créatures en ville. Ouh, plus 3 attaques. Ah ouais, c'est pas mal. Par contre, avec cuirasse de champion, elle déconne 0. Elle déconne vraiment 0, du coup. Et au niveau de l'inventaire, comment j'y accède? Déjà, on va essayer d'améliorer notre ville. La cathédrale, c'est encore trop cher. Ok. Permet de fabriquer une tente de premier secours et une balise pour chaque héros de passage en ville. Palefrenier augmente, ouais, le déplacement, c'est pas le top. Chapelle, une demeure améliorée qui permet de recruter d'améliorer des... Ouais, c'est pas le top. Faut que j'améliore obligatoirement. De toute façon, j'ai pas une thune, sinon on va monter le fort. Et encore, même comme ça, je manque de ressources, non? Bah, je devrais pouvoir le faire, là. Pourquoi je... Ah, il y a déjà un truc qui est construit ce tour-ci. Ok. Bon, pour le coup... Toi, tu vas essayer de revenir par là-bas. Fin de semaine. Je sais pas du tout comment changer son stuff. Grosse question que je me pose. Ah oui, c'est vrai. Vous allez... donc ça, c'est des albardis qui vont être envoyés.
Un régiment de 12 albardiers, un régiment de 5 griffonneaux. Chaque semaine, ça c'est cool. Toi tu viens là, tu vas essayer de te stuffer au maximum. Voilà, parfait, là t'as repris du monde là. T'as repris du level, ça fait du bien. Par contre, on galère financièrement. C'est clair que là, ça devient complicado. Alors on a quoi? Remets un peu dans le banc 1-1, d'accord, c'est pas mal. Ah, ou plus incantation, c'est pas mal, ça augmente le mana, mais... Augmente de 15% la croissance hebdomadaire. Allez, on va le faire. Ça me paraît plus que pas mal. Et toi, du coup, est-ce que tu peux toujours... T'es toujours en difficile, donc je peux toujours pas capturer. Par contre, ce bâtiment-là, je peux capturer sans trop de problèmes. Déplacer les caravanes. Ah, il a rejoint l'unité la plus proche, du coup, c'est ça? Il a rejoint l'unité la plus proche. Et mes albardiers sont où? Parce que j'ai reçu 5 griffonneaux, c'est top, mais... J'avais aussi des albardiers qui devaient venir. On va considérer que c'est ok, écoute, hein. On va considérer que c'est ok. Les albardiers devaient venir de là? Qu'est-ce qu'ils foutent? Bon, je sais pas trop. C'est pas grave, ils ont déjà dû venir, je suppose. Fin de tour. Il faudrait qu'on arrive à... C'est bête, mais ils devraient faire des combats à plusieurs, vous voyez, genre deux armées collées, ils peuvent venir en renfort, etc. Tu vois, ça se trouve, c'est déjà fait, j'en sais rien. Toi, tu viens là, vous ici, et vous derrière, bien derrière, derrière le héros. Tu vas nous faire popper des... Hop, du monde. Toi, tu t'attaques, voilà, parfait. Les archers sont derrière, ils peuvent faire leurs dégâts, les healers sont en train de soigner tranquillement. Donc là, je pense que c'est une partie gagnée d'avance. Ah, vous reculez les archers. Les archers vont reculer. Reculez les archers, c'est plus important. J'ai l'impression qu'on soit un peu dérouillé là pour le coup, non? Bon, c'est certainement une impression, je pense. Allez les gars, on y va. On tape dedans. J'ai beaucoup de distance, mais j'ai pas beaucoup de corps à corps, je me rends compte. Et il faudrait plus de cac, beaucoup plus de corps à corps. Parce que là, ça devient assez compliqué. On perd beaucoup d'hommes finalement. Oui, on va le faire. Du coup, la mine de soufre, on l'a. Voilà, je pense que là, déjà, on est plus que bien. La ville. Ah, nos 4 albardiers ont bien rejoint la ville. On peut pas recruter plus. Par contre, on va peut-être pouvoir améliorer tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? La bibliothèque de magie. La cathédrale. Il faudrait 3400 pour la cathédrale. En vrai, je vais passer au marché, je vais vendre des choses. Voilà, et là, la cathédrale, je vais pouvoir la développer. On aurait soit des cavaliers, soit des croisés. Alors, ils sont lents. Les croisés sont très lents. Ils ont plus un point de santé de plus. Moins de dégâts, moins de vitesse. Ils sont plus nombreux. Allez, on va prendre des croisés. On va prendre des croisés. Par contre, ils coûtent super cher. Bah, tant pis, écoute. Hein, on sait que c'est... Ah, ils peuvent partir, du coup. Ils peuvent rejoindre une troupe. D'accord. Ok, bah, rejoins le héros. Ça sera pas le top, mais c'est déjà ça. Alors, du coup, ça donne quoi pour toi? La mine, on y est. La quête de la sorcière. Bah, écoute, tape dedans, j'ai envie de te dire. Vas-y, hein, fais-toi plaisir. On va mettre tous les corps à corps ici. Hop. Allez, on y va en combat. Foncez tous. En élémentaire, est-ce que ça vaut vraiment le coup de les... Ouais, bon, on fait péter pour essayer d'économiser des soldats, quand même. On y va. Là, le combat se prête. Le combat se vit plutôt bien, j'ai l'impression. Oui, pour l'instant, on les explose. Après, on avait carrément l'avantage numérique, on va pas se le cacher. Ça nous fait un peu de stuff, un peu d'XP surtout en plus. On a perdu quelques hommes, mais c'est pas non plus dramatique. Alors, on a quoi? Les romanciers, c'est quand même pas mal. On va continuer la transformation de nos armées en élite. Hop, on récupère tout ce qu'on a. Assaut au niveau de... Alors, la sorcière vient à votre rencontre attendez, je recommence. La sorcière vient à votre rencontre avant que vous êtes même en mesure de localiser sa cabane. Elle vous regarde, mais jamais vos yeux ne se rencontrent. Il semble qu'elle voit quelque chose au-delà de vous. Votre aura est déséquilibrée, explique-t-elle. Il y a une compétence dont vous avez besoin pour revenir à l'équilibre. Apprendre cette compétence prendra une journée de travail. Bah, vas-y, on la prend. Du coup, il est épuisé, il peut plus bouger. Ok. Et quant à toi, bah... Tu sais quoi? Hop, c'est toi mon nouveau gars sûr. Pendant que lui se repose, est-ce que toi tu pourrais pas prendre un peu d'XP également? En vrai, j'ai envie d'attaquer des avant-postes assez vite parce que on a vu qu'on était en grosse galère avec les avant-postes. Mais je le sens pas. Non, refile-lui tes potes finalement.
Refuse tes potes, hein, toi tu vas vraiment rester. Tu vas vraiment rester là. Et t'es vraiment le gars qui va ramasser toute la merde, hein, on va pas se mentir. Mais c'est pas grave, hein, de toute façon il faut toujours un numéro 1. Hein. Donc et un bon numéro 1 n'a rien sans son numéro 2. C'est ce que disent les perdants. Hop, on récupère un peu de bois. Hop, et on y va. On avance. Bon, pour l'instant ça se passe très très bien, je pense. J'ai l'impression qu'on maîtrise bien la part. Ah, parfait, toi t'es bon. Plutôt difficile. Plutôt difficile. Donc il ne manquerait pas grand chose en vrai pour pouvoir. Ouais, ça m'embête un peu. Facile, est-ce que tu peux te. Alors, on va se le faire. Il faut qu'on prenne de l'XP, il faut que notre personnage s'améliore. C'est bête, mais il faut qu'on. Mais pour l'instant, on n'a pas un grand impact sur la guerre. Ça, je vous l'accorde complètement même. Voilà, le héros se fait défoncer. Le héros s'est fait éclater. J'ai l'impression que le combat va être très difficile pour le coup. J'augmente un peu la vitesse. Oh non, le combat est très très hard là, pour le coup. Hein. On gagne quand même, hein, mais on va perdre des hommes et des bons, c'est le problème. Regardez, j'ai perdu un paladin déjà. Oh là là. On envoie du renfort. Allez-y les gars, en renfort. Baston. Allez les gars. Oh là là, on perd du monde. Hein. On perd du monde. Hein. C'est un combat qui est chargé là. Un combat très très chargé. Le héros revient, fais ton taf. Parfait. On a perdu beaucoup d'hommes et des bons, mais tant pis. C'est le jeu, c'est comme ça. On n'a pas trop le choix. Ça fait quoi ça? Les gens chaque rang augmentent de 5 la santé des créatures. Oh bah oui. Oh bah oui. Bah complètement, j'aurais dû le prendre avant. On peut pas y aller. Ok, et là c'est quoi? Le bâtiment, vas-y, on y retourne. Hein. Nous on veut que du combat. On veut vraiment, c'est de la baston à gogo. On n'a pas le temps de se poser de questions. On est là, c'est pour le fight. Tu vois, on est là, c'est pour. C'est pour le fight, c'est pour la victoire, c'est pour le sang. Allez, oh là là là. Bon, on s'est fait charger, c'était violent. On augmente un petit peu la vitesse du combat. Ouais, j'arrive même pas. C'est tellement le bordel que je sais même pas si on gagne ou pas là pour le coup. Est-ce qu'on gagne ou pas? Oui, au niveau de la barre bleue, j'ai l'impression qu'on gagne. Mais j'avoue que là, pour le coup, on va peut-être réduire un peu la vitesse parce que j'avoue, je comprends pas tout. Ok, j'ai l'impression qu'on a plus du tout d'archers. Alors, soit ils sont tous morts. Ouais, j'ai l'impression qu'ils sont en train de décéder petit à petit là pour le coup. On a l'air de gagner le combat, mais on envoie des renforts. Allez-y. Ah, les archers sont là, ça y est, les archers sont là. Allez-y, tirez les gars, tirez. Voilà, parfait. On a perdu un griffonneau ou 12 paladins. La vache, on a perdu tous nos paladins, quoi. Ouais, alors ça la fout un peu mal pour nous, hein, mais ça c'est quoi, barrière magique? Donne à vos unités des chances d'ignorer les attaques des ennemis. Ouais, vas-y, go, on fait. De toute façon, il faut tout améliorer. Ouh, j'ai appris un sort majeur. Incroyable. On passe à notre tour. Ça devrait normalement nous mettre bien, je pense. Là, en vrai, on fait beaucoup de sacrifices et tout. D'ailleurs, il faut que je continue d'améliorer mon bâtiment, moi. C'est pas le tout, mais j'oublie tout le temps. On va faire plutôt... Est-ce qu'on peut améliorer... On va améliorer la forge, je pense, pour ce tour-ci. Venir ici, on va récupérer un peu de... Ouh, 1000 pieds. Ouais, 1000, ça valait le coup. 1000, ça valait vraiment le coup. On va revenir ici. On pourrait continuer à les améliorer. On va recruter maximum. Et on reprend tout, voilà. On reprend tout. On reprend le maximum d'hommes. Est-ce que là, du coup... Ah, on est en moyen. On va peut-être pouvoir prendre des avant-postes, enfin. Enfin, enfin. Mais bon, pour l'instant, en tous les cas... C'est un peu la crise économique. Ah, 6900, ça va, on s'en sort bien financièrement. On s'en sort quand même plutôt bien. Est-ce qu'on peut améliorer un autre bâtiment? La chapelle. On va améliorer nos hommes. Et écoute, j'ai envie de charger là-bas. Niveau moyen, je pense que ça peut se faire. Hein. Allez, on y va, on charge, on verra bien. Advienne que pourra, comme on dit. Oui, d'esprit d'écume. Cet esprit viendra car d'aura votre route d'expérience et des vents favorables. Ouais, mais faudra aller tout là-bas, hein. C'est compliqué. Est-ce que vraiment je ne me fightais avec eux? Est-ce que pour l'instant ils me laissent tranquille? Et à l'étage aussi, enfin l'étage au-dessus me laisse aussi tranquille. Ouais, bah écoute, pour l'instant on va prendre au moins l'avant-poste pour nous assurer un peu une supériorité numérique et surtout un avantage stratégique, je pense. Et financièrement on s'en sort très très bien, donc il n'y a pas trop d'inquiétude. En plus on va avoir des caravanes qui vont venir, d'ailleurs ça donne quoi? Ouh là 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 là, dis donc, t'as tout recruté toi mon pote hein. Par contre, palefrenier ou une tente, allez go, on fait ça pour améliorer le bâton. Il faut vraiment que notre ville on l'améliore à fond. Je suis pas mécontent de ce que ça donne là pour le coup. Je suis vraiment pas mécontent. Bon, des caravanes vont se déplacer. Toi,
Est-ce que ça vaudrait vraiment le coup d'attaquer? Est-ce que la caravane, on peut pas lui demander d'aller là? On va d'abord passer notre tour, voir. Ah! Ok, est-ce que toi, tu peux reprendre les troupes de la caravane? Oui, tu peux. Bam. C'est con, ça nous fait 12 troupes en plus, on va tout reprendre. On attaque, là on attaque, on attaque, on attaque. Est-ce que c'est sage d'attaquer maintenant? Est-ce qu'il a tout son mana? Je n'en sais rien. Mais au moins, on tente le coup. On veut prendre l'avant-poste et on va le capturer. Allez, ça nous fait... Ouf, 4 élémentaires en plus. Allez-y, les gars, baston! Baston, 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 baston. Je pense que l'avant-poste, on va le capturer. Ouh là là. Ouh, ils ont des dragonaux là, ou des pigeonneaux, je sais pas trop comment on appelle ça. Des griffonneaux peut-être. Ouais, on appelle ça des griffonneaux, effectivement. En vrai, lui, il meurt, mais c'est complètement bête parce qu'il avait un ralliement s'il meurt pas. Donc plutôt que d'envoyer au casse-pipe page 24, on ferait mieux de les laisser booster nos troupes avec le ralliement, je pense. Bon, je crois qu'on fait une erreur, mais c'est pas grave, on a gagné. On n'a pas trop de pertes, je pense. On a gagné pas mal de d'XP, on va gagner domaine. Ouais, on va augmenter ça pour avoir plus de fric. Et ça, c'est génial. Ça, pour nous, c'est génial. Tombe des héros. Donc, cap lourd, plus de défense. Oh, du coup, j'ai pas récupéré l'objet, si. Cap lourde, parfait. Attends, t'as une cape lourde, c'est pas mal, t'es un BG maintenant. Ah, et le cuirasse de champion, on va la mettre là. Appel des bêtes, plus 2. Bon. En vrai, ça, ce morceau de stuff, je pourrais le filer à notre pote, le chauve. Alors, il est pas chauvin, mais j'appelle ça, j'appelle le chauve parce que, je sais pas, je trouve que c'est son petit nom d'amoureux. Le chauve pour les intimes. Vous me demandez pas pourquoi il s'appelle le chauve, personne ne sait, hein. Parce qu'en plus, il y a des cheveux, le gars, mais... On l'appelle le chauve dans le milieu. C'est son nom. Et son nom de code. Cobra, Cobra, ici le chauve. Le chauve répondait. Alors, on va essayer de protéger notre... Ouais, tu sais quoi, viens ici. Et je vais te mettre un peu de stuff. Oh, c'est un bijou. Ok. Ouais, tu vois, t'as un petit peu plus de stuff, ça c'est cool. Donc toi, tu vas rester safe ici, au calme, tu vas te reposer. Et notre... Ah, il y a des ruines là-bas. Bah écoute, tu vas aller aux ruines. Ah mince, j'ai oublié encore d'améliorer mes hommes. Ça c'est très 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 mauvais d'oublier d'améliorer notre bâtiment. Très mauvais point pour moi ça. Allez go, tu y vas. Tu vas t'arrêter juste devant parce que t'auras la flemme d'y aller, voilà. Et toi, point d'améliorer de plus. Salle de mercenaires, non. Tour des griffons, c'est pas le top. Oh, on peut. Ok, ça nous permet de recruter des griffons du coup. Ok, bah c'est plus des griffonneaux, c'est des griffons là pour le coup. Ça déconne plus, hein. Là, ça ne déconne plus. Fin de tour. Je laisse mon pote se reposer aussi, parce que niveau 13, là, il a plus mana du tout. Et je pense que c'est pas mal de laisser se reposer, parce qu'on a vu que le mana est hyper utile. Et regardez. Ils vont attaquer, là, les petits potes. Les petits potes vont attaquer, là. Ça m'effraie un petit peu de la milice ou de l'or de la milice. On a besoin d'hommes, rapidement. Pourquoi t'es ressorti, frérot? Non, tu restes là, toi. Hein. Hop. Et il faudrait qu'on améliore notre bâtiment. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Le fort? Ou la cathédrale améliorée ou l'empire pour avoir plus de revenus par jour, ça peut être pas mal. Ah, je sais pas trop là. Bon, l'hôpital, statut de champion. On va construire ça, ouais, pour augmenter la compétence de garde du corps. Ça, c'est cool. Attends, non, c'est niveau 1. Mais oui, c'est. Non, mais non. C'est niveau 13 que je voulais laisser là-bas, pas le chauve. Le chauve, il est tout pété. Écoute, on a mis chauve dedans, Kazo, pour essayer de protéger. Mais j'ai l'impression que le chauve, il va être tout pété encore. Voilà, fin de tour. Si on se fait attaquer, on est mort. Si on se fait attaquer, on est juste mort. Ah, ils ont pas l'air de bouger. Ah, si, ça les attaque, c'est ce que je pensais. On est juste complètement mort. Parce que j'ai amené le chauve. Du mauvais gars. Et c'est très très mauvais, mais on va tenter de combattre à mort. Hein. T'as rien, le chauve. Attends, on va essayer de les entraver. On vous entrave. Allez-y, les gars. Allez, le chauve. Sacrifie-toi, je veux dire, pas toi, le chauve. Oh, le chauve, il va mourir. Je pense que le chauve est mort. Je pense sincèrement que le chauve est décédé. Non, non, allez-y, les gars. Allez-y, perdez pas de temps. Foncez. Allez-y. Oh là là là, on leur fait rien. On leur fait clairement nous éclate. Bah, tant pis, allez, fin de game. On fait ce qu'on peut. Hein. On essaie de tenir bon, mais ça ne suffit pas. Ça ne passe pas. Par contre, ce sort est bien. Ça m'invoque des troupes au fur et à mesure. C'est vraiment bon. Ça n'empêche que ça suffira pas. On se fait éclater quand même. On se fait juste goumer. On se fait défoncer. Ah, ils ont attaqué d'abord mon pote et maintenant ils attaquent mon avant-poste. Mais j'aurais voulu faire rentrer dedans, moi, pour que les deux puissent combattre dedans. Bon bah, les archers, faites votre taf, hein. Essayons de leur faire le maximum de dégâts avant de mourir. Allez, vous venez là, les archers, vous reculez un peu.
Oh là là, c'est mort, ça débandade. Vas-y, on améliore ton pion. On augmente la vitesse. On va se faire exploser en fait. Hein. On s'est fait exploser pour le coup là. Mais juste parce que j'ai pas mis mon niveau 13 au bon endroit. C'est une erreur stratégique qu'on a fait. Oula, mais attendez, il vient vers moi là le bonhomme. On est d'accord qu'il vient vers moi. Quasi impossible. Quasi impossible avec mon niveau 13. Vite, rentre. Rentre, frérot, rentre. Rentre, 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 rentre. Prends le maximum de troupes. Et tu peux rien faire de plus. Ok, ok, ok. Le fort, on va l'améliorer. Et on va mettre des albardiers, je pense. Hein. Le maximum d'albardiers. Et on va espérer que ça passe. Et là, on pourrait améliorer. Ouh, la tente réanime les unités mourantes. C'est génial. On nous en faut plein. Une baliste aussi. On a tout amélioré. Je pense que là, on va être bien. Fin de tour. Faut qu'on reste caché. Mais est-ce que le. Non, mais les marées sont. Je comprends pas comment ils peuvent avoir autant de troupes, quoi. Pourtant, j'ai l'impression de rien louper. Quasiment pas, en tout cas. Oh, ils vont nous attaquer. Ils vont nous attaquer. Ils vont clairement nous attaquer. Ils sont là pour nous exploser la tête. Hein. Ils sont là, c'est pour nous faire du mal. Ils sont là pour nous tuer. Ils sont là pour nous. Pour des trucs. Qu'est-ce qu'on a des croisés? Ah ben, on va dire un peu de ça. On améliore, on fait le max ça pour le coup. On essaie vraiment de se. Oh! On aura pu recruter un, mais il nous manque de la thune, je crois. Attends, bah on va aller au marché. Marché, marché, marché. On va vendre. Voilà. Ah non, puisqu'on avait pas assez d'argent pour ça. Ok, j'ai rien dit. Et bah, fin de tour. Attention, ils vont nous attaquer. Est-ce la fin du royaume des hommes? Oh! C'est la fin du royaume des hommes. Ah, quoique, on est dedans là pour le coup. On est dedans. On a l'air d'avoir notre héros qui est ici. Ok, bah, le héros, tu vas venir ici tranquillement. Mais pourquoi c'est le chauve? Pourquoi c'est le chauve qui défend? Je l'emmerde le chauve, moi je veux le niveau 13. On a un niveau 13, pourquoi c'est pas chauve qui gère? Non mais ça c'est nimp en vrai, ça c'est juste nimp. Ok, on va les entraver les autres pour essayer de faire en sorte qu'ils soient plus lents à venir. Allez là, on augmente la vitesse, de toute façon je peux rien faire. J'ai pas de sort à lancer, je peux rien faire. Clairement, je crois que c'est la défaite. Clairement c'est la défaite. La fin des hommes, on envoie du renfort. Allez. Allez, mais nos renforts se font exploser, c'est plus des renforts, on envoie des. On envoie des jeunes demoiselles. Jeunes demoiselles. Elle va s'en aller. Vas-y Christophe, chante. On est en train de mourir Christophe, vas-y, chante. On envoie encore des renforts. Allez les gars, on fait le max. Allez, tenez bon pour le château, pour j'en sais rien, démerdez-vous, pour vos femmes, pour vos gosses, les gosses on s'en casse, on en refera, mais pour vos femmes au moins faites un effort. Faites au moins un effort. Oh c'est mort, on a perdu. On est en train de perdre à petit feu là. Les marins ont l'air badass hein. Bah après mes hommes aussi normalement sont pas mauvais. Allez, on envoie du renfort. Allez encore les gars, encore du renfort. Allez-y. Tenez bon. Oh, on est en train de se faire exploser. Vas-y Christophe, chante. Vas-y Christophe. Vas-y Christophe Maé, chante. On a perdu notre château. C'est ridicule. On a perdu notre château. C'est la fin des hommes. C'est pas possible, je me suis fait exploser. Ah non. Il y a le niveau 13 qui revient maintenant. Niveau 13, il est là, en fait, je veux bien être là. Je veux bien venir, je veux bien faire mon taf. Ça fait quoi, déviation? Fait que des unités alliées, 3 prochaines attaques. Non, on leur finira pas de dégâts, c'est pas mal. On va mettre plus de troupes. Hein. Je veux le maximum de troupes. Allez-y, les gars, faites le taf. Hein. C'est la défaite, hein. C'est la défaite, on va pas se mentir, c'est la défaite. Allez, 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 allez. Mon héros, faudrait juste qu'il tienne bon. Et moi, j'y crois. Allez, j'y crois. J'y crois, dire comment faire. Vas-y, Christophe, chante. Christophe, c'est le mec qui chante malgré tout. Peu importe ce qui se passe, il chante. Jeune demoiselle, elle va à son art. Allez, qu'on t'attache. Vas-y, Christophe. On a perdu. C'est la débandade. C'est la débandade. C'est la débandade. On se prend des rouillacs, ça. Allez, il nous faut des renforts. Ouh, le héros. Regarde le héros, il se chauffe. Le héros se chauffe. Fais-le pour Christophe. Vas-y. Fais-le pour Christophe Willem maintenant. Oh non. Oh non, quand on dit Christophe Willem, on est en train de se prendre une dérouillée depuis. Christophe Maé arrive à les tenir à distance avec son chant, mais Christophe Willem beaucoup moins pour le coup. On se prend une dérouillée. Je crois qu'on a tout perdu les gars. Je crois que c'est la fin de notre royaume. La vache. On se prend une de ces dérouillées. Regardez, il reste un glandu. Vas-y mon pote, fonce. Vas-y. Ah, elle est morte, elle est en train de se faire. Bah elle est morte, ok. Que vous dire de plus à part le fait que c'est la fin de ce let's play du coup. Merci beaucoup d'avoir regardé, voilà vraiment. Je vous demanderai s'il vous plaît de vous abonner, lâcher le petit pouce bleu, le commentaire qui fait plaisir. En soutien à tous les morts, à Christophe Willem, à Christophe Maé. Et moi je vous dis à bientôt, ciao ciao.